pour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme dans votre baignoire et quelque chose d'incroyable va arriver. Parfois nous manquons l'opportunité d'utiliser un bon remède naturel, car nous pensons qu'avec le produit de la pharmacie nous irons beaucoup mieux. Dans certains cas, c'est peut-être comme ça, mais dans d'autres, nous finissons par perdre de l'argent. Comme les médicaments n'ont pas toujours la même réaction d'une personne à l'autre, ce qui peut marcher avec un ne veut pas dire que cela va marcher pour un autre. En plus de cela, il se peut que vous n'ayez pas le résultat attendu. Vous avez peut-être remarqué que dans le cas de la peau, cela est très visible puisque nous avons tous des types différents, qui n'occupent pas toujours les mêmes nutriments pour bien paraître. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons une solution que nous sommes sûrs que vous aimerez car elle fonctionne pour tous les types de peau et ne produit pas d'effets secondaires. Le truc que nous allons vous donner aujourd'hui est une recommandation qui peut vous être utile et qui a été découverte par hasard. Pour le bénéfice de notre peau. C'est un truc avec du vinaigre de pomme qui va améliorer la santé et la beauté dans votre peau, car il suit les indications suivantes. Préparez votre baignoire avec de l'eau chaude. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ajoutez 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme. 3 cuillères à soupe de sel. 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Restez assis dans l'eau pendant une demi-heure. Puis rincez à l'eau froide. Ce que vous obtiendrez sera un bon moyen d'attaquer les inflammations de la peau causées par les bactéries. En plus de cela, la douleur ou l'irritation causée par certains champignons ou infections va commencer à disparaître. Ce faisant, vous pouvez obtenir un grand équilibre pH de votre peau parce que le niveau d'acidité peut permettre de débarrasser des toxines qui ont été logées dans votre peau. L'odeur corporelle, causée par la transpiration, l'humidité et l'accumulation de saleté commence à se dissiper lentement et des situations comme l'eczéma, le pied et d'autres de l'athlète sera réduit progressivement, de sorte que vous obtenez une meilleure qualité de vie. Sans aucun doute cette astuce sera suffisante pour que vous puissiez améliorer n'importe quelle condition sur votre peau. C'est vrai, n'oubliez pas de consulter votre médecin afin qu'il puisse vous conseiller aussi. Nous espérons que cette information est de votre plaisir et bientôt vous pouvez vous vanter des effets positifs sur votre peau. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement. Des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Conseil en amour, faites-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.